L'aventure Koh-Lanta, la légende a démarré sur les chapeaux de roue. À peine arrivés sur l'île, les 20 candidats ont appris qu'ils allaient être répartis en deux équipes selon leur sexe. Ce n'est pas tout, puisque Denis Brognard leur a également fait savoir que la compétition allait débuter par une épreuve d'immunité disputée uniquement entre hommes. Laurent, Claude, Freddy et autres aventuriers emblématiques se sont ainsi affrontés sur un long parcours du combattant. Mais certains ont rencontré plus de difficultés que d'autres. C'est le cas de Teheura, qui a buté sur un obstacle. Ce dernier devait ramasser deux sacs de 5 kg dissimulés sous l'eau. Mais malgré des lunettes de plongée, il n'est pas parvenu à les repérer, voyant son idole de l'aventure en difficulté. Sam s'est donc arrêté pour lui venir en aide. De quoi déstabiliser le candidat venu de Polynésie, qui lui a hurlé à plusieurs reprises de partir pour remonter au classement. Il faut dire que l'enjeu était de taille, les deux derniers arrivés écopaient d'un vote à leur encontre pour le premier conseil d'immunité. Malgré les demandes répétées de Teheura, Sam a refusé d'abandonner son coéquipier avant qu'il ne trouve ses sacs. Résultat, le jeune aventurier est arrivé dernier lors de l'épreuve et a dû écrire son nom sur l'un des votes. Un scénario qui a laissé les autres aventuriers bouche bée, à commencer par Claude, qui a conseillé au Benjamin de l'aventure de jouer avant tout pour lui. Mais comme l'a expliqué le concerné, les larmes aux yeux, il était impensable pour lui de ne pas venir en aide à celui qu'il considère comme le plus grand aventurier de tous les temps. Je ne pouvais pas le laisser. Pour moi, c'est lui qui doit la gagner cette édition. Honnêtement, a confié Sam lorsque Denis Brognard lui a demandé d'expliquer son geste. Une initiative qui, bien qu'incomprise, a été saluée par tous les autres aventuriers. Surtout car tous ont reconnu qu'ils n'auraient jamais fait preuve d'une telle solidarité.